Mais d'abord ce mystère de plus de 20 ans jamais élucidé par la justice, mais de nouveaux éléments ce matin, 22 ans après la mort en Algérie des moines français de Tibérine en mai 96, la thèse algérienne est un peu plus mise à mal ce matin. Alger avait à l'époque accusé le GIA, le groupe islamique armé, d'avoir capturé et d'avoir décapité les religieux, seules les têtes ont été retrouvées. Les experts scientifiques ont pourtant remis il y a peu un rapport à la justice française, rapport auquel vous avez eu accès, Benoît Colombat. Premier point mis en avant dans ce rapport d'experts de 185 pages, la date de la mort des moines. Officiellement, ils ont été assassinés le 21 mai 1996. Or, l'hypothèse d'une mort un mois plus tôt est qualifiée de plausible par les experts compte tenu de l'état de décomposition des têtes. Deuxième fait troublant, les crânes ont vraisemblablement été enterrés une première fois avant leur découverte au bord d'une route près de Médéa. Enfin, s'il y a bien eu décapitation, elle a eu lieu après la mort des moines, autant d'indices qui renforcent la suspicion de l'avocat des familles, Patrick Baudouin. La version officielle des autorités algériennes, qui a toujours été une version extrêmement simpliste, euh, enlèvement des moines par le GIA, exécution par le GIA dans des conditions barbares abominables, sans que nous ayons pu empêcher ce qui s'est passé, tout cela ne, ne tient pas. Il y a trop d'éléments qui sont remis en cause par ce rapport. La mort des moines est très vraisemblablement bien antérieure à ce qui a été avalisé par les autorités algériennes. Pour avancer vers la vérité, il faudrait maintenant de nouveaux témoignages. Le principal obstacle, ajoute l'avocat des moines, c'est la chape de plomb qui pèse toujours sur cette affaire en Algérie. Des précisions pour France Culture de Benoît Colomba.